Les archives sont créées par des personnes, des entreprises, comme documentation à des fins de mémoire. Malheureusement, cette science qui apparaît comme une discipline est peu connue. C'est donc pour donner une large visibilité au métier des archivistes, afin que ceux-ci aient une place de choix au sein des administrations, que ces étudiants en Master 1 archivistique de l'École de formation à l'action culturelle ont organisé cette conférence débat. Le rôle des archives, c'est d'assurer la traçabilité de l'information documentaire. Mais comme on le dit, les archives sont le pain quotidien de l'administration. C'est les documents produits tous les jours pour le fonctionnement de l'entreprise, par des dossiers, par la constitution des affaires. Quand ces archives sont bien organisées, le document dont on a besoin, il est mis à la disposition de ceux qui en ont besoin. Et cela fait gagner du temps. Donc ça, c'est une notion fondamentale de la bonne gestion des archives. Pour le conférencier Venance Gouroubaï, une entreprise qui ne gère pas sa documentation risque la perte d'un procès en cas de litige, une dégradation de son image si des documents confidentiels sont diffusés de façon accidentelle. Venance Gouroubaï a donc invité les étudiants et managers d'entreprise à s'approprier le métier d'archiviste qui apparaît comme un miroir du passé, un patrimoine culturel et une mémoire collective.